IFL TV and MTK Global. We're here with the winner, Mohamed Mahoon. Mahoon. We got it, it's cool. The winner of the quarterfinals here, how are you feeling after that fight? Mohamed, on est ici avec le gagnant de la quart de finale, Mohamed Mimoun. Mohamed, comment tu te sens après cette victoire? Déjà, je tiens à remercier tout le public de Londres, MTK Global. Voilà, j'ai gagné, je suis qualifié pour les demi-finales. Le combat était tranquille, je me suis fait surprendre au début. Bon, c'est pas la première fois, c'est rien. Et voilà, j'ai gagné avec la manière. Je suis prêt pour les demi-finales et je suis prêt à gagner le tournoi. Car il me faut la ceinture là, il me faut la WBC autour de la taille. So first of all, I'd like to thank the London public, MTK Global. As for the fight, I got caught in the early rounds, but nothing too crazy. But I won in style, and I used my brain. And I'm ready to put on an electric performance in a semi-final and go all the way and win it, the tournament, because I need the belt. I need the WBC belt. So. When you did get the knockdown, did you feel a bit concerned and ready to come back harder? Alors, quand tu es tombé au deuxième round, est-ce que tu étais un peu inquiet ou bien tu étais prêt à revenir encore plus dur? Non, il m'a surpris. C'est pas la première fois parce que moi je rentre doucement dans mes combats sans avoir le travaillé maintenant. Non, il m'a pas surpris, il m'a juste réveillé et il m'a rendu encore plus méchant parce que moi quand je suis touché, je suis encore plus méchant. Okay. So, no, you know, I wasn't worried. He caught me early, he caught me by surprise, but really he woke me up. And the thing is, like, when I'm wounded, I'm even more dangerous, and that's how I did it, and I went for the finish. Well, you took it back at the end, you had a massive knockdown at the end, he didn't recover from that. How do you feel after doing that, and are you ready for the next part? Well, you took it in the end, like, you had a massive knockdown, and he couldn't recover from it, pardon. oh no! I switched the wrong language. Sorry, guys. All right. Alors, tu l'as fait tomber à la fin. Tu lui as donné un gros coup. Il a pas pu se relever. Comment tu t'es senti après ça? Après? Dans tous les cas, moi, je me sentais bien dans le combat. Je savais qu'il allait s'épuiser, car je me suis posé. Voilà, au début je l'ai étudié, après je me suis posé, je l'ai usé physiquement, je voyais qu'il commençait à baisser. Donc je me suis dit je vais me poser et lui faire mal. Et je savais que j'allais l'arrêter. Si c'était pas à ce round-là, ça aurait été au prochain round. Okay. He took his time throughout the fight, because he's a slow starter anyway. And he knew that he was getting him tired, so he just got him to go a few rounds and he used his brain, but he knew that he was gonna stop him if it wasn't this round, it was gonna be the next round. So. You had a massive crowd out here. Did you bring them all over with you? Alors, tu avais un grand public français derrière toi aujourd'hui. Est-ce que tu les as tous ramenés avec toi? Ouais, j'ai un grand public. Mon public me suit partout. Mon public m'a suivi à Las Vegas quand j'ai fait ma demi-finale mondiale contre Postol. J'ai un gros public. Encore là, il n'y avait pas tout le monde, mais il y avait mon public. Ils sont tout le temps présents pour moi. Yeah, so he had a massive crowd. He had a big following in France, and those guys are always there with him. Like, they even traveled all the way to Las Vegas when he fought against Postol, and even then, like, not everyone was there, so he could have been even bigger. But yeah, they always follow him. They're always there for him. We did absolutely incredibly. I'm assuming you're going to go home now. How are you going to prepare for your next fight? Alors, t'as eu une très bonne performance. Je suppose que tu vas rentrer en France maintenant. Et comment tu vas te préparer pour le prochain combat? Je vais rentrer en France, oui. Ensuite, dès que j'aurai la date de ma demi-finale, je partirai comme d'habitude un mois chez Rodion Junior, voilà, avec qui je travaille, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui sera là pour ma demi-finale. Donc je vais partir faire un camp d'entraînement en Floride, comme j'ai fait pour ce combat. Et ensuite, je vais finir ma préparation en France avec mon coach, Mizumia, Imad Azaro et toute la team, Karim Aikaruki, et voilà. So yes, he's definitely gonna go back to France, and once he gets the date for the semi-final, then he's gonna do like he always does usually. He's gonna go on a training camp in Florida for a month with Rotonde du Nord. Roy Jones Jr. And that's, he always does that, and then after that he's gonna come back in France to finish training camp with his trainer Mehdi
Imad and the team. Like, so it's a strong team, so that's it. Amazing. Well, congratulations, and we look forward to watching you fight again. Félicitations, c'était super, et on espère te voir bientôt. Merci beaucoup. Je tiens à remercier toute ma famille qui est en France, toute ma team, tous ceux qui me suivent, mes sponsors, mon club, le Boxoum, toute la France et tous ceux qui me trouvent dans le monde entier, tous ceux qui me suivent, merci beaucoup. La demi-finale et le tournoi sera pour moi. Ciao. Thank you very much. You know, I really want to thank my family, my friend, my training squad, Boxoum, which is my boxing club back in France, and all the public, all the French public. And you know, I'm really looking forward to the semi-final and MTK also. He wants to thank MTK, ESPN, everyone. So you guys know that IFL TV, everyone, right? And the final is gonna be his, right? So he's gonna win for everyone. Thank you so much. No problem. Thank you. He is special. Absolute dynamite! Oh my God!